Bon, salut à tous et à toutes sur cette vite. On se retrouve pour l'épisode 7. C'est de Final Fantasy 7 Remake. Du coup, je refais encore un épisode. Enfin, je refais cet épisode là parce que j'ai des problèmes de droit d'auteur encore. Et voilà. Du coup, je sais qu'il y a des systèmes voilà, pour avec YouTube pour faire le truc. Pour régler ça. Mais... voilà. Alors, on est en train de se refaire, puis si ça marche pas, c'est comme pour les vidéos des Monseigneurs 2 ou 1, que je refais en live, voilà. Je reviens à ça parce que... Par où est-ce qu'on est censé descendre? Et par là? Oh! C'est une bonne idée, ça! Je passe devant. Ça me fait un peu... Bref, c'est un premier temps d'avoir des droits de problème de retard pour ce qui est YouTube et tout ça. Ce que moi, c'est les musiques, en fait. J'ai eu un petit peu peur de tomber. Tu réfléchis trop. Le problème, c'est que... j'ai des problèmes de droits d'auteur par rapport aux musiques qu'il y a dans le jeu. Musique qu'il y a dans le jeu, de base dans le jeu. Vous vous rendez compte? On nous file des droits d'auteur parce que il y a la musique du jeu qui passe. Et là, on dit, si c'est un problème, bah mettez plus de musique dans les jeux comme ça, il n'y aura plus de problème. Hé hey, regardez ça! Si ce gros tas de ferraille était en marche, je suis sûr qu'il détruirait tout sur son passage. Une machine de ce type sert à éliminer les grandes créatures. C'est un armement de pointe. Si par malchance on tombait nez à nez avec elle, on aurait intérêt à fuir. Ouais. On a de la chance qu'elle soit en train de roupiller, là. C'est pas un peu trop calme. Tu connais le Shira? Blair. Je parie qu'ils ont eu la trouille et qu'ils se sont fait la malle. J'arrive! C'est fini, trop tard! Prends ça! J'ai bien transpiré! Voilà. Ouais, j'ai pas regardé avant. C'est bon. C'est nouveau ça que j'ai eu. Ouais, ça, c'est pour ça. Tifa, c'est nouveau. Bon, je pense les utiliser. On y est presque. Cette odeur. J'aurais préféré l'oublier. Adieu!
La bombe. Combien de minutes cette fois? On va pas s'embêter avec ça. Celle-là a un détonateur télécommandé. Jesse a fait du bon boulot. On se met d'abord à bonne distance, on appuie. Et boum! À bonne distance? C'est nulle part, je sais. On va s'enfuir par la sortie principale. Faut faire le chemin inverse. De menace des terroristes, identifiant ce réacteur comme étant leur cible. Des suspects ont été repérés sur les lieux. Les forces de sécurité les traquent et s'efforcent de localiser les explosifs. Notre envoyé spécial est en direct. Oui, je me trouve sous le secteur 5.
Suite à l'annonce de la cible des terroristes, c'est le héros qui me l'a donné. Invité les survivants à évacuer les véhicules. Après la tragédie du réacteur numéro 1, cette nouvelle menace qu'on ne peut que qualifier d'inverse a soulevé un vent d'indignation. Les coupables ! Le président Shinra a déclaré qu'il éradiquerait ces criminels qui menacent le bien-être de la population. Et donc, pour rassurer le peuple en proie au désarroi, vous allez nous offrir un spectacle palpitant dont le grand final sera... Oh non, pas lui! Le tout dernier fleuron de technologie de notre armement autonome. L'aérodestructeur qui sera notre exécution public. À bord de l'équipe technique, l'armée de l'aérodestructeur n'est prêt qu'à 60%. Cela prend plus de temps que prévu. On est en direct! Mais... Message à tous les effectifs de sécurité. Dépêchez-vous de capturer les trois intrus et de les conduire sur le pont. Rendez-vous gentiment! C'est pas la même technique que j'ai fait. J'ai dit ça, ça marchera pas. Hein. Hey. Ça va, oui, je l'ai cherché. On dirait que les éléments du robot sont acheminés par des mondes charges. On va lui mettre des bâtons dans les roues. On peut peut-être limiter ses capacités. Ce serait un avantage. Allons voir la console de contrôle. C'est la machine qui est là-bas, c'est ça ? Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Il faut une carte d'accès. On va chercher ça. C'est bon, je la mets à faire jamais parce que... Voilà, ça...
Elle est déchargée, voilà. T'en as trouvé une ? Ouais. Génial ! Faisons joujou avec la console de contrôle. C'est écrit Unité M sur l'écran. C'est le nom d'un élément ? Ouais. Une sorte d'amélioration à base de matériel liquéfié. Qu'est-ce que tu peux faire ? Je peux changer la destination pour que ça aille au rebut. Rejet de l'unité M validé. Tu vas voir, Heidegger. Ça va te foutre la rage. Ça a fonctionné. Allez, on passe à la suite. Oh. Trop vite sens. Si ça se trouve, ils sont encore en train de nous observer. Ouais. On passe sûrement à la télé. On pourra rien y changer. Alors autant essayer de garder le sourire. Voilà. Et on s'en craint, tu t'en vas ? Tu vas taire un peu. Prends ça, t'as perdu ! Tiens ! À toi de jouer. Je m'en occupe. Pas de quoi sauter au plafond. Allez, c'est parti. Ici le niveau moins 7. Transfert en cours. Bien reçu. Nous avons perdu le contact avec l'équipe du niveau moins 8. Envoyez immédiatement quelqu'un sur place. C'est les intrus ! Attrapez-les ! Ici le niveau moins 7. Nous avons arrêté le combat des intrus. C'est fini pour toi. Ok, c'est parti. C'est pas fini. Il nous faut davantage de temps. Regardez l'arc-boute. Je l'ai eu. Trop tard. On va pas vous laisser passer. Il y a deux consoles de contrôle cette fois. Parfait. On va les emmerder de... T'as trouvé ? Il y en a qu'une. Alors, on a deux consoles. Mais on peut en utiliser qu'une. Cloud. À toi de choisir. Ils servent à quoi au juste ces cœurs d'IA ? Ils améliorent le programme de gestion des mouvements. Ce qui veut dire qu'ils rendent le robot plus rapide. Un robot puissant et rapide ? C'est pas rassurant. Réfléchis bien à ce que tu vas envoyer au rebut. Et donc ça, c'est la console qui sert à transporter des gigabombes. On les appelle aussi Big Bang. Elles sont particulièrement puissantes. Alors si on les jette, il en aura moins. Je te laisse décider de ce qui est le mieux. Ça c'est bien, les gigabombes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez en commentaire, est-ce que c'est un live que j'ai fait ? Rejet de la gigabombe validé. Ça leur apprendra. Tu sais où va le matériel qu'on a envoyé au rebut ? À mon avis, tout est entreposé dans une même salle. Intéressant. Des gigabombes, des cœurs d'IA... Ça doit avoir beaucoup de valeur, tout ça, non ? C'est probable. Pour aller récupérer. Faudra d'abord trouver cette salle. Voilà, ici. Donc voilà, la suite, elle est validée.
Et vous allez trouver quand vous trouvez cette espèce d'ordinateur. Habitant de Midgar, écoutez-moi. Tout ce que la Shinra voit compte, c'est que des bobards. La macro est l'énergie vitale de la planète. Ces salopards pensent qu'à l'exploiter pour s'enrichir. Alors Barrett, qu'est-ce qui prend tout à coup? Comme on passe à la télé, je me suis dit que je pouvais transmettre notre message. Tu peux être sûr qu'ils ont coupé le son. Coupé le son pour droit d'auteur, quoi. Faisons la dépit, plutôt. Garde ton sang-froid. Je peux le faire. Oh, vas-y, ah essaie. Ça va lui faire mal. Pas chance. Ouais, laisse-moi faire. À mon tour. Ne te précipite pas. Je m'en occupe. Heureusement que je suis là. Fallait pas m'énerver. Continuons comme ça. Avec plaisir. Avant le travail. Le chargement est fini. C'est bon. Les intrus sont ici. Les intrus sont arrivés au niveau moins 6. Nous allons les arrêter. T'as trouvé une carte? Une seule, oui. Et cette fois, il y a trois consoles. Il va falloir choisir. Il y a ta console, Tifon, qui est devant. C'est la console de contrôle des cœurs d'IA. Qu'est-ce qu'il vaut mieux jeter? Ça ou autre chose? D'IA, je sais plus qu'est-ce que c'est. Ça, c'est la console des gigabombes. Dépêche-toi de choisir ce qu'on jette. On va foutre le bordel dans les petits plans de la Shinra. J'ai pas envie de ça. On dirait effectivement c'est les gigabombes. C'est quoi celle-là? Les unités M. Une sorte d'amélioration pour le robot. Je te laisse choisir ce qu'il vaut mieux jeter. On va jeter l'amélioration du robot. Rejet de l'unité M validé. Et voilà. J'imagine la tronche qu'ils tireront quand ils s'en rendront compte. Bon, vous doutez. La chèvre est fictieuse, que ça va pas très bien se passer. J'ai hâte. On va bientôt voir qui c'est qui va se prendre une bonne raclée en direct. T'as l'air content. On va foutre la honte à la Shinra. Et devant tout Midgar, en plus. Je suis mort de rire rien que d'y penser. Promets-moi que tu vas pas te mettre à danser. Oh, tu pourrais m'accompagner. Et toi, Cloud, ça te dit pas? Non, sans façon. T'es pas joueur, Cloud. Un nouveau grand port qu'il fallait déjà. Il barre tout pouvait appuyer sur le bouton. Et nous manquons à cause de la destruction des intrus. Niveau moins 5,
Bien reçu. Les intrus sont là. Maîtrisez-les. Allez, ensemble. Je m'en occupe. Ah, merde. On va le laisser faire. C'est toi. Admire ça. Tiens. T'es pas fini. À toi de jouer. Ouais, aucun problème. Il fallait pas m'énerver. Adieu. C'est trop facile. Alors voyons, qu'est-ce qu'il trans... Il y a quatre consoles. Ce serait bien d'avoir plus de cartes. Qui a dû la perdre. On s'est mis avec son collègue. Il doit en avoir. On peut le deuxième. Il part. Alors d'accord. On va mettre ça là. Ici, si, c'est le cœur d'IA. Mais il vaut mieux vérifier les autres consoles avant de décider. Ouais, bien sûr. Ici, c'est Kirby, qui accélère les mouvements. T'as choisi ce que tu vas acheter. Je pense que le mouvement sera pas mal. Le gigabomb. C'est des gigabombes. Essaie de jeter ce qu'il a fait viral plus. Rejet du cœur d'IA, validé. Moi aussi, c'est ce que j'aurais choisi. Mais j'ai envie d'une gigabombe aussi. Comme ça, on sera tranquille. Ça, c'est la console qui sert à transporter des gigabombes. Mais alors, t'as des idées de ce qu'il fallait mieux jeter? Voilà, là. Tu vas voir, règne de guerre. Ça va te foutre la rage. Vous croyez que le robot sera assez affaibli? On a fait ce qu'on pouvait, en tout cas. Ça devrait aller. On l'a bien dépouillé. Mais maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le résultat. On approche de la sortie. Tifa, t'es prête pour la bombe? Oui, t'inquiète pas. Dès qu'on aura éliminé ta ferraille, t'appuies sur le bouton. Mais en avant. Ça reste dans mes cordes. J'arrive. Prends ça, trop tard. Ne te précipite pas. Allez, je suis prêt. Ouais, laisse-moi faire. C'est pas fini. Je m'en occupe. Déjà fini? Alors, maintenant... Tifa a des nouveaux gants. Ah ouais, il donne des sacrés trucs. Glace... Soin quand même. Ouais, je vais ça. Ici.
On a fait notre possible. Il nous reste plus qu'à croiser les doigts maintenant. D'ailleurs, je vais parler de la technique de Tifa. Ça. Alors, est-ce qu'il est prêt? Presque! Plus que quelques réglages! Faites vite! Le directeur s'impatiente. Leur cache, tiens. Leur casse, sérieux. Ok. Il est pas encore prêt. Les intrus! Tous sur eux! J'ai besoin de temps pour les réglages! C'est moi! Je veux un rapport sur l'aéronisme! Et on veut encore! Naturel! Il nous faut un peu plus de temps! Ça va être faible au moment de l'affronter. Si on arrive à garder notre sang-froid, on le vaincra forcément. On devrait décider d'une pause pour la victoire. Un truc bien synchro pour la télé. Je suis sûr que tous les gamins nous imiteront après. Pas question. Oh merde! On peut pas monter par là! On n'arrivera jamais à remonter par les tuyaux. Cherchons autre chose. Y'a un truc qui arrive! Voilà! Non mais il est complètement malade, lui! Oh! J'arrive! J'espère que ça te plaît! Quoi? Prends ça! On sait jamais! Ne te précipite pas! Je m'en occupe! Prudence avant tout! J'arrive! C'est pas fini! Ouais. Oh, pas les diamants! Coute-moi ça! Attentivement comme ça! Fais tes prières! Ça va lui faire vibrer! Oh, dégage-toi! Profite de l'occasion! C'est fini! Et on va leur faire regretter ça! Voilà, maintenant on monte, on monte, et on va affronter le boss, il me semble. Vous écraserez coup de cathode! Deuxième! Je prends les devants. À toi de jouer. Je peux le faire. T'as perdu. Ah, allez, dégage. Je t'ai eu. Ah, c'était trop facile.
direct devant tout Midgar. Prépare-toi à t'en prendre plein la tranche. Ouais. On va montrer à la Shinra ce qu'on sait faire. Ils peuvent nous balancer ce qu'ils veulent, on rentrera quand même chez nous. On y arrivera. C'est certain. Marlène attend notre retour. Toi aussi, elle te parlera maintenant. Hein? Ouais, si tu lui fais un sourire. Peut-être, si on paye bien. J'étais à vous de lui demander de payer pour réussir à faire un sourire à Marlène, quoi. Oui. Bah alors, dépêche-toi d'ouvrir là. Il y a un verrouillage d'urgence. Ça veut dire qu'on est enfermé ici? On peut ouvrir de la salle d'à côté. Joué. Ils font vraiment tout pour nous emmerder. Mais apparemment, il y a aussi l'entrepôt des rebuts là-bas. On pourrait y récupérer tous les éléments qu'on a détournés? La salle au trésor? Génial! Allons-y tout de suite! Comment on fait pour ouvrir? Le mécanisme est très simple. Il faut actionner les leviers au même moment. Je m'occupe de ces deux-là. Moi, je vais de ce côté. Toi, Cloud, tu vas là-bas. Ça, c'est un peu relou ce truc à faire. Le mode de verrouillage d'urgence est actuellement activé. Donc il faut actionner tous les leviers en même temps. Attendez, c'est moi qui donne le signal. Non, c'est Tifa. Ah, d'accord, super. Allez, vous disputez pas. Concentrez-vous. Prêt? 1, 2. Voilà. Mode de verrouillage d'urgence désactivé. Et voilà! Du premier coup. Bravo. Parfaite coordination. Ouais, pas mal. Bon, si on jetait un œil à cette salle au trésor... C'est là qu'on récupère nos trésors? Si on peut entrer. Ça s'ouvre pas? C'est un verrouillage de sécurité maximum. C'est différent de l'autre, alors? C'est le même principe, mais il faut passer plusieurs étapes. Ha! Les doigts dans le nez! Ouais! Essayons! Qui est pas trop vite, c'est chaud. Le mode de sécurité maximum est actuellement activé. Faites attention. Activez les leviers à mon signal. Allez, on y va. Au même moment que Tifa. Ça va, j'ai compris. Allez, Tifa, vas-y. D'abord, le premier niveau. C'est parti. 1, 2. Mince. Regardez les flèches sur les écrans. Je compte sur vous. 1, 2. Niveau 1 du mode de sécurité désactivé. Vous avez été parfait. Continuons comme ça. Il y en a 4. Niveau suivant. 1, 2. Niveau 2 du mode de sécurité désactivé. Bravo! Vous avez pris le coup. Eh ouais, on est des pros. Non, ce qui est bien, c'est plus que aucun système de verrouillage de la Shinra peut nous résister. On recommence pas depuis le début. Ça reprend vraiment au dernier. On a fait la moitié. Encore un petit effort. 1, 2. Il faut actionner les leviers à mon signal. On se concentre. 1, 2. Voilà. Vérifiez bien le sens du levier. C'est bon. On va y arriver. 1, 2. C'est bon, on va voir. Je compte sur vous. 1, 2. Regardez les flèches sur les écrans. On se concentre. 1, 2. Il faut actionner les leviers à mon signal. Allez, mon tour. 7e ciel. Arrête de déconner. Attends, et ça. Le 7e ciel. Bon, allez sérieusement. 1, 2.
faut qu'on se coordonne. Je compte sur vous. 1, 2. Tu comprends pas le sens de la vache? On va y arriver. 1, 2. Ah, ça, c'est le gosse qui était bon. Faut qu'on se coordonne. Je compte sur vous. 1, 2. Vérifiez bien le sens du levier. On se concentre. 1, 2. Regardez les flèches sur les écrans. Ouais, essayez un peu de suivre mon rythme. Balance. Tu nous perturbes, Lala. Je suis sûr qu'on peut y arriver. 1, 2. Attendez, ça compte pas. Faut que je m'échauffe un peu. Je compte sur vous. 1, 2. Allez, allez, allez. On va y arriver. 1, 2. Hé, mais qu'est-ce que tu fous? Attention, ça change le sens des flèches. Je compte sur vous. 1, 2. Déjà, le premier c'est facile. On se concentre. 1, 2. Regardez les flèches sur les écrans. Bon, allez, laissez-moi donner les signal. On y va. Boum. C'est encore plus compliqué. On va quand même bien finir par y arriver. 1, 2. Pas de panique. Je suis bizarre là, je suis en haut. On va y arriver. Allez, c'est parti. 1, 2. Attendez, ça compte pas. Faut que je m'échauffe un peu. Je compte sur vous. 1, 2. Oups. On se concentre. 1, 2. Faut qu'on se coordonne. On va y arriver. 1, 2. Il faut actionner les leviers à mon signal. Essayez un peu de suivre mon rythme. Je vais prendre mon ordinateur parce qu'il est presque déchargé. Voilà. Donc c'est pas ce qui va faire marcher mieux le jeu, hein, on va suivre. Ah non ! Oh, tu nous perturbes là. Je suis sûre qu'on peut y arriver. 1, 2. Oups. C'est quand même chaud de bien. Enfin, mettre la flèche, c'est chaud parce que ça va trop vite. 1, 2. Niveau voilà. 3 du mode de sécurité désactivé. Ah. Bravo, bien joué. On forme une équipe du tonnerre. C'est le dernier niveau. Ouais, ça... Restons bien concentrés. 1, 2. Alors. Vérifiez bien le sens du levier. Ouais, je compte sur vous. 1, 2. Non, pas de panique. Allez, c'est parti. On se concentre. Haut vers le bas. 1, 2. Regardez les flèches sur les écrans. Je remonte vers le haut. On va y arriver. Haut, gauche. 1, 2. La flèche. Attendez, ça compte pas. Il faut que je m'échauffe un peu. Allez, à mon tour. 7, 7, 7e ciel. 7, 7, 7e ciel. Arrête de déconner. Attends, et comme ça. Le 7e. Ciel. Oh. Bon, allez, sérieusement. 1, 2. Pas de panique.
on se concentre. Un, deux. Oups. Je compte sur vous. Un, deux. Ouais, je t'ai resté. C'est bon ça. Faut qu'on se coordonne. Ah, c'était pas bon, j'ai raté, mais c'était plutôt bon. On va y arriver. Un, deux. Attendez, ça compte pas. Il faut que je m'échauffe un peu. On se concentre. Un, deux. Oups. Essayez un peu de suivre mon rythme. Avalanche. Oh, tu nous perturbes, là. Je suis sûre qu'on peut y arriver. Oui, t'inquiète, on va y arriver, un, tu vas. Un, deux. Pas de panique. Allez. Je compte sur vous. Un, deux. Tu comprends pas le sens de la flèche? Oui, j'ai compris. On va y arriver. Un, deux. Attendez, ça compte pas. Il faut que je m'échauffe un peu. Je compte sur vous. Un, deux. Faut qu'on se coordonne. On se concentre. Un, deux. Oups. Excusez-moi. Bon, allez. Laissez-moi donner le signal. On y va. Boum, 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 boum. C'est encore plus compliqué. On va quand même bien finir par y arriver. Un, deux. Pas de panique. Je compte sur vous. Un, deux. Je suis gouré, bordel de merde. On va y arriver. Un, deux. Faut qu'on se coordonne. Ouais, c'est bon. Je compte sur vous. Un, deux. Attendez, ça compte pas. Il faut que je m'échauffe un peu. Bon, parce que je mets ça. On se concentre. Et ça reste quoi. Le... Un, deux. Hé, mais qu'est-ce que tu fous? D'accord. Allez, à mon tour. 7 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
Allez, c'est parti. On va quand même bien finir par y arriver. Oui, t'as pas de faim. Un, deux. Non, mais je suis là. Attendez, ça compte pas. Il faut que je m'échauffe un peu. Je compte sur vous. Un, deux. Oups. Oui. On va y arriver. Un, deux. Tu comprends pas le sens de la flèche? On se concentre. Un, deux. Non, pas mais... de panique. Il est sous moi, monsieur. Je compte sur vous. Un, deux. Vérifiez bien le sens du levier. Allez, à mon tour. 7, 7, 7ème, 7ème ciel. 7, 7, 7ème, 7ème ciel. Arrête de déconner. Attends, et comme ça, le septième ciel, ciel, ciel. Oh. Bon, allez, sérieusement. Un, deux. Oups. On se concentre. Un, deux. Regardez les flèches sur les écrans. Il faut le redonner un coup. On va y arriver. Un, deux. Attendez, ça compte pas. Il faut que je m'échauffe un peu. On se concentre. Ouais. Un, deux. Pour baisser, pour monter. Faut qu'on se coordonne. Je compte sur vous. Un, deux. Tu comprends pas le sens de la flèche? Bon, allez. Laissez-moi donner le signal. On y va. Boum, 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 boum. C'est encore plus compliqué. C'est pas vraiment compliqué à faire, mais c'est pas hyper facile. On va quand même bien finir par y arriver. Bah, il y a pas l'épisode. Un, deux. Voilà. Niveau 4 du mode de sécurité désactivé. La salle du rebut est maintenant déverrouillée. On a réussi. J'ai vraiment cru que ça n'en finirait jamais. Eh hey oh, Cloud, sérieusement? T'es sûr que t'étais soldat avant toi? On n'a pas été entraîné pour ça. Quand on veut être un bon mercenaire, il faut savoir tout faire. Bon, ça suffit, les chamailleries. Allons plutôt voir à l'intérieur. Ouais, c'est parti. Génial! C'est comme tu l'avais dit, Cloud. Ça va être le coup de se faire chier, au moins. On rafle tout et on casse. Les anciens bancs. Sérieux. Ah, voilà la sortie. Soldat. Un soldat reste un soldat jusqu'à sa mort. Mais beaucoup deviennent inutiles bien avant ça. La cause de décès la plus fréquente est le comportement autodestructeur lié à la dégénérescence. Les données sont gardées secrètes, mais tous les soldats sont conscients de ce fait. Évidemment.
Tu comptes m'ignorer jusqu'à quand? Je préférais ne pas engager la conversation. Je sens que tu ne t'arrêterais pas. C'est clair qu'on n'en finirait pas si on s'amusait à énumérer tous les crimes de la Shinra. Des lamentations. Tu gaspillerais ta salive ainsi que mon temps. Oh, tu m'énerves. On pourrait en parler. Tiens, du gaspillage. La Mako, c'est la rivière de la vie, tu le sais très bien. C'est le sang qui circule dans les veines de notre planète, pas vrai? La Shinra n'arrête pas de la pomper sans aucune modération. Si vous continuez comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Je ne peux pas nier que c'est vous qui extrayez l'énergie, Mako. C'est vrai. Mais qui est-ce qui dépense cette énergie sans compter? Tout le monde connaît la véritable nature de la Mako. Mais tout le monde ferme les yeux et fait semblant de ne pas savoir. Vous n'avez jamais réfléchi à ça. Tu te défileras pas comme ça! Même si certains en arrivent à ce point, c'est parce que vous leur lavez le cerveau! Nous n'avons pas un tel pouvoir sur les gens. Allez, mes petits rebelles des bas-fonds. Vous êtes maintenant devenus complices de nos ennemis du Wuntai. Vous avez attisé la faveur de la patriotique du peuple. Complices du Wuntai? Mais de quoi il parle? Vous êtes trop stupides pour comprendre ce qui se passe. Vous pensiez prendre la gloire à mener notre droite, mais vous n'êtes plus les instruments de notre propre plan, notre méticuleuse campagne de propagande militaire. D'ailleurs, nous pouvons contrôler votre corps. Ah. Et choisir de l'explosion. Salomard. Bien, le spectacle peut commencer. Vous êtes les ennemis du peuple de Demigard, vous êtes en train de combattre de grosses opérations avec les contraires. Le châtiment est immédiat. Les Rakas. Ils vont partir! Vite, à l'abri!
Ne te précipite pas. Tu m'entends? Oui. L'autre fois, tu n'avais vu que des écartillons au genou. L'autre
connais tes erreurs. Tu peux te retrouver. Cette fois, concentre-toi. Pense uniquement à ton corps pour le moment. Alors, tu peux bouger? Je vais essayer. Allez. Vas-y. Tout doucement. Ne te presse pas. Je sais ce que j'ai à faire. Si tu veux enregistrement, comment ça a été fait, le doublage, quel est-ce que ça a été fait. Mais. Au fait, qui me parle? Qui es-tu? Moi, je suis. Ton seul et unique maître. Allez, Cloud. Il reste beaucoup à faire. J'espère que tu n'as rien. Ça a l'air d'aller. Alors, t'es réveillé? Tu es. Ah, Iris. Et toi, tu m'as pas dit? Moi, c'est Cloud. On a fini par se retrouver? De quoi tu parles? Hein? T'as pas oublié quand même? Regarde, ces fleurs. Ah, la vendeuse de fleurs. On en est où? Dans l'église du secteur 5, au bidonville. Tu es tombé. Tu as traversé le toit. Ça m'a surprise. Tu peux remercier mes fleurs? Elles ont dû amortir ta chute. Hein? Tu es chanceux. Oh, j'ai écrasé tes fleurs. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'en faire. On dirait pas, mais elles sont résistantes. Et puis, il s'agit d'un endroit spécial. Au fait, Cloud, tiens, t'as perdu ça? Ah. J'en ai une, moi aussi. Les matérias sont pas vraiment des objets rares. C'est vrai. Mais la mienne est particulière. En fait, elle ne sert absolument à rien. C'est seulement que tu sais pas t'en servir. Ça doit être pour ça. Mais bon, c'est très bien au final. Je la porte surtout parce qu'elle me rassure. Et parce que c'est ma mère qui me l'a léguée. Dis, puisqu'on s'est retrouvés comme ça, tu pourrais rester un petit peu? Oui, bon. Sauf que je vais m'arrêter là, Iris. Hein. Parce que la vidéo est déjà assez longue, voilà. Bon, bah, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à partir de la vidéo, c'est déjà fait. A plus.